Yuki Beep. Salut tout le monde et bienvenue chez Forex. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, je suis chez Forex, le meilleur shop de Genève. Il y a une vraie collection de Off-White et de sneakers Heat en général. Donc aujourd'hui, je vous présente la nouvelle blazer Off-White, donc paire magnifique. Donc cette blazer Off-White 2.0, elle est sortie au prix de 130 euros il y a quelques jours. Donc au niveau des détails, vous avez le swoosh toujours comme pour la 1.0 qui est juste immense et décalé bien plus bas que sur les blazers d'origine. Comme sur la OG, vous avez la grosse languette ici en mousse qui est propre pour le coup à la blazer de base. Mais ici, vous avez le détail avec le Nike Sportswear. Ensuite, toujours le petit patch orange que vous avez sur toutes les Off-White et qui est propre aux Off-White. Sur le derrière, vous avez la petite inscription ici qui rappelle la taille et les différentes références de la paire. Sur le verso, vous avez toujours bien sûr le Cerflex qui cette fois-ci est sous les tons de bleu pâle avec toujours l'inscription Off-White pour Nike avec le nom de la paire et les bureaux de design en Oregon aux USA. Donc voilà pour cette paire d'OG, des matières toujours bien techniques, une vraie belle paire. Donc ça c'est la full black. Je vous montre également la orange qui est magnifique aussi. Je crois que je préfère celle-ci à choisir entre les deux. Identique au niveau des matériaux, simplement le détail qui change c'est le petit morceau ici qui est cette fois-ci sous les tons de bleu turquoise. Donc voilà pour cette blazer Off-White que je trouve magnifique vraiment. C'est un vrai beau travail qui a été fait dessus, comme sur la OG qui a pris des proportions immenses au niveau du prix de Russell. Donc voilà, très belle pour cette blazer Off-White 2.0 en deux coloris. Je valide à 100%. Et malheureusement, je l'ai pas, mais j'espère avoir très vite. Voilà. Comme vous voyez, c'est un petit peu le fief de la Off-White ici, avec la Presto ici, la OG, la blanche que vous avez ici, la Air Max 90-90 que vous avez au fond. Des paires assez folles ici, Off-White, Vapor Max,
en là, donc la OG vous avez ici et puis la 2.0 vous avez ici, de la React ici, de la Comme des Garçons avec Supreme, Nike avec Acronym bien sûr, de la Air Max 1 et comme je vous disais, ces fameuses Blazer Off-White, la 1.0 que vous avez ici et les deux 2.0 que vous avez ici. Donc il y a du très lourd ici, donc si vous êtes de Genève, si vous êtes des alentours, n'hésitez pas à venir dans ce magasin. C'est des mecs comme ça et le magasin est vraiment vraiment chambé. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou aux poteaux de chez Forex. Bisous! Je vous montre une exclusivité les gars, on est toujours chez les poteaux de Forex à Genève. Je vous montre cette exclusivité, il s'agit de la Foot Patrol Adidas Foot Patrol Futurecraft 4D. 400 exemplaires monde, complètement dingue. Comme vous voyez, la technologie ici sur la semelle qui est une technologie 4D donc en impression. Elle utilise la technologie LDS qui veut dire Light Digital Synthesis, donc c'est vraiment une évolution en termes de confort, en termes de matière. Assez fou, c'est une paire qui est, voilà, on est vraiment dans le futur ici. Les couleurs sont vraiment sympas, moi j'aime beaucoup ce vert. On est toujours sur un print knit de chez Adidas avec justement la petite collaboration Foot Patrol qui est le magasin de base à Londres et qui a ouvert à Paris. Donc, paire complètement dingue, comme je vous disais, 400 paires montent seulement. Donc du coup la cote est, voilà, est montée en flèche. Vous avez cette technologie qui est juste incroyable, qui a été mise en place par Adidas depuis quelques temps maintenant. Mais toutes les paires sont toujours très 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 limitées au niveau de ces impressions 3D. Donc là c'est 4D même, donc technologie de dingue, c'est super léger. Au niveau du confort, les gars de chez Forex m'ont dit que c'était super agréable. Donc quoi dire de plus, à part que c'est vraiment un bijou. 400 paires monde, donc exclusivité ici que je vous propose aujourd'hui sur ma chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la paire. Si vous la connaissiez pas, ben voilà, quels sont vos avis. Moi je surkiffe. Les prix sont complètement fous, donc moi je vais passer. Mais en tout cas, j'aurais bien voulu l'avoir le jour de la sortie, mais ça n'a pas été le cas. Donc je vous fais une petite vidéo parce que c'est un vrai kiff d'avoir cette paire en main et de vous la présenter aujourd'hui. Donc voilà pour cette Futurecraft 4D en collab avec Foot Patrol. Case.